bonsoir ma chère. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau petit look. Non, je plaisante. En fait, c'est parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire de mes cheveux. Donc, pour l'instant, j'ai emprunté le chapeau de Patrick. Donc, en gros, aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment, en fait, qui va vous montrer comment trouver de l'information directement qui va concerner l'immigration. Donc, l'information directe sur l'immigration. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment, où et quand aller chercher cette information-là. Si vous êtes intéressé par le sujet donc de l'immigration Canada, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner, de liker et de commenter simplement. Pour commencer, l'information qui va concerner tout ce qui est nouveauté à propos de l'immigration provient du site du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Ce ministère-là fait des mises à jour régulièrement, à peu près tous les jours, je dirais, et elle diffuse de l'immigration qui va concerner l'Europe, l'Afrique, le Madagascar et les autres pays aux alentours. Dans le fond, ce ministère-là va diffuser des séances d'information qui va concerner l'Europe. Donc, dans l'Europe, vous avez plusieurs pays d'Europe. Vous allez avoir la France, la Belgique et d'autres pays. Et pour participer à ces réunions d'information-là, il faut s'inscrire au préalable. Et sachez que les places sont limitées. Ok, il pourrait y avoir par exemple 508 places. Et donc, pour participer ou pour simplement, oui, participer à ces séances d'information-là, il faut s'inscrire au préalable avant la date d'information, avant que la date d'information simplement commence. Donc, il va y avoir, comme j'ai dit, des séances d'information qui vont concerner également le Madagascar et les îles aux alentours. Et aussi là-bas, il faut donc aller s'inscrire afin de participer à ces séances d'information-là. En troisième lieu, il va y avoir aussi des séances d'information qui vont concerner l'Afrique. Et dans l'Afrique, il va y avoir des pays qui vont être spécifiques. Par exemple, le Sénégal est spécifié. Et pour ce qui était de la séance d'information du mois de septembre, les places ont déjà tout été prises. OK? Donc, c'est déjà clos. La séance d'information du mois de septembre pour le volet Afrique, c'est déjà clos. Mais pour ce qui concerne le volet Europe et Madagascar, il y a encore des places. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut connaître ou aller? Dans la fin de cette vidéo, en fait, je vais vous mettre en barre de description d'infos le site du ministère de l'immigration, francisation et intégration où ce ministère-là publie ses séances d'information. Pour ce faire, vous allez aller donc sur le site, vous allez avoir toutes les séances d'information qui vont être écrites. Ensuite de ça, vous allez avoir une petite partie qui va être plus vers votre droite. Et là, c'est écrit inscription. Donc, vous allez cliquer sur inscription. Ok, bon, pour ceux qui sont en Afrique, je ne parle pas de la séance d'information donc du mois de septembre vu que les places sont déjà closes, mais vous pourrez aller regarder régulièrement si les séances du mois d'octobre ont commencé et vous inscrire. Donc, vous allez sur la section inscription sur la même ligne qui va concerner donc votre continent. Vous cliquez sur information. Sur inscription, pardon, et là, ils vont vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre genre masculin, féminin, non genré, binaire ou autre. Ça va être à vous si vous voulez le spécifier ou non. Et ensuite de ça, ils vont vous demander d'autres informations supplémentaires qui vont être en bas. Donc, pour ce faire, ce que vous devez faire, ça va être important d'aller vraiment consultez le lien que je vous aurai mis en barre de description d'infos. Vous pouvez aussi le mettre dans vos favoris sur votre ordinateur, dans votre navigateur, pour pouvoir aller le consulter régulièrement. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez l'ajouter sur votre page d'accueil de votre ordinateur pour se rappeler au moins d'aller jeter un œil régulièrement. Mais si vous choisissez de le mettre dans vos favoris, vous pouvez vous mettre des petites alarmes dans vos téléphones pour telle date du mois d'octobre, soit le 1er octobre. Vous allez vérifier s'il y a des séances d'information, ok?
Ce que je tenais à souligner à propos de ces séances d'information-là, vraiment, ce sont des séances d'information qui vont être plus complets, ok? Je pense que nous sommes nombreux sur YouTube à aborder ces sujets d'immigration, mais je pense que aucune personne d'entre nous ne le ferait mieux que le ministère qui est concerné. Donc, si vous voulez avoir vraiment des informations comme il faut, poser des questions comme il faut, avoir des informations avec des détails et tout, c'est mieux que vous participiez à ces sessions d'information-là qui sont faites directement par le ministère. En tout cas, moi, je vous encourage fortement à vous inscrire à ces séances d'information-là. Je perds mes mots. Inscrivez-vous là-dessus. Participez, écoutez, et si jamais vous avez appris quelque chose de nouveau, vous pouvez le partager avec vos connaissances, vos amis et moi aussi. Ok, j'aime ça, faire des recherches, apprendre et tout. Mais en tout cas, c'est ce ministère-là qui peut vraiment, vraiment vous expliquer toutes les nouveautés comme il faut, vu que c'est lui vraiment qui est en charge de ça. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous mets toujours le lien en barre de description d'infos. N'hésitez pas à aller le consulter. Si les places sont déjà closes, mettez cette page-là dans vos favoris de votre navigateur. Mettez-vous des alarmes dans vos téléphones pour aller consulter au moins chaque premier du mois pour voir s'il y a des nouveautés. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai parlé assez vite, mais je suis comme un peu essoufflée en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais abonnez-vous, likez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.